25, les squatteurs expulsés bientôt. Une procédure d'expulsion sera engagée à l'encontre des squatteurs qui occupent illicitement un terrain appartenant au ministère de l'Agriculture situé à Nansan. Le Conseil du gouvernement de mardi dernier en a décidé ainsi, après avoir examiné le dossier suivant les conclusions de la commission en charge de l'aménagement du territoire rattachée au Conseil supérieur de la transition et de la commission d'enquête en charge des questions relatives à la propriété foncière. Une rencontre avait eu lieu en présence du ministère de l'Agriculture aux fins de constatation de mise en valeur. Pour en revenir aux faits, les forces de l'ordre entameront une procédure d'expulsion individuelle, sachant que préalablement, une enquête devrait être ouverte à temps indiqué. La dite commission dénonce par ailleurs l'existence d'un contrat de vente signé entre la CEMAD et un ressortissant indo-pakistanais au sujet de ce terrain appartenant au ministère de l'Agriculture. Elle a déjà réclamé la restitution de ce bien à l'État, car il est prévu que ce terrain devra abriter les centaines de personnes qui sont actuellement menacées d'expulsion. Néanmoins, ce projet n'a pas encore reçu le feu vert du gouvernement, a indiqué Nev Raoudin, président de cette commission. Il a rappelé en outre que cela fait deux fois que le gouvernement a manqué à l'appel du CST s'il devait en principe faire un compte-rendu devant les parlementaires au sujet de cette affaire.